Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, le soutien de l'Algérie au Soudan pour surmonter la crise qu'il traverse, le chef de l'État souligne l'importance d'un règlement inclusif à l'issue de l'audience qu'il a accordée au président du Conseil de souveraineté soudanais. Réunion du comité mixte algéro-tunisien de développement des zones frontalières. Les ministres de l'Intérieur des deux pays soulignent la nécessité de promouvoir ces zones pour des considérations sécuritaires et économiques. Le chef de la diplomatie algérienne participe au sommet Italie-Afrique à Rome, le changement climatique, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique à l'ordre du jour. L'Algérie est appelée à consolider sa place de fournisseur fiable de gaz vers toute l'Europe via l'Italie. Elle est également premier exportateur africain de GNL. L'OMS appelle les donateurs à ne pas suspendre leur financement à l'Office onusien pour les réfugiés palestiniens, une mesure décidée par plus de 10 pays et qui affecte encore davantage la situation des Razaouis. Et en Cisjordanie, la situation demeure explosive, des incursions au quotidien et des démolitions des habitations des Palestiniens, sans compter les martyrs. Madame, Monsieur, bonjour. Le président du Conseil de souveraineté soudanais vient d'achever sa visite officielle en Algérie. Il a été salué à son départ à l'aéroport international d'Alger par le Premier ministre Nader El-Arbaoui. Au premier jour de sa visite, Abdel Fattah El-Burhan a été reçu en audience par le président de la République, audience à l'issue de laquelle Abdelmadjid Tebboune a réitéré le soutien de l'Algérie au Soudan pour surmonter la crise qu'il traverse, une crise qui doit être résolue par une approche inclusive, loin de tout. Toute forme d'ingérence, le président de la République. مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية حيث تعود الكلمة الأولى والأخيرة دائما لمكونات الشعب السوداني الشقيق. La stabilité des pays menacés par des forces étrangères, le président du Conseil de souveraineté soudanais l'a également souligné, de nombreuses parties trouvent leur compte dans ces conflits qu'ils attisent. C'est ce qu'explique l'expert en géostratégie Hassan Kassimi, extrait de l'invité de la rédaction. Actuellement, il y a de très fortes turbulences au niveau de tout l'arc sahélo-sahélien, de l'océan Atlantique à l'océan Indien, commencé par le Soudan, la Libye, la Tunisie aussi est un pays qui est malmené malheureusement et de très fortes turbulences et interventions étrangères. Ensuite, ces turbulences se sont déplacées vers le Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée. Et là, ce sont des faits que nous ne pouvons pas ignorer pour la simple raison que la déstabilisation, c'est une déstabilisation qui a provoqué malheureusement l'effondrement de l'État. Et quand il y a effondrement de l'État, c'est qu'il n'y a plus personne pour réguler les relations au niveau de ces territoires. Et c'est des territoires qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont livrés à des groupes armés, qui sont livrés au terrorisme. Et là, il y a de fortes ingérences étrangères. Le développement est un facteur de stabilité. Les zones frontalières sont sous la loupe ce lundi à la faveur de la réunion de la commission mixte algéro-tunisienne consacrée à la promotion de ces zones. La session est présidée par les ministres de l'Intérieur des deux pays. Le compte-rendu de Sophia Boukercha. Accélérer le rythme de développement des régions frontalières constitue un véritable enjeu pour les deux pays. L'objectif est stratégique. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Red, appelle les Walis à mettre en place une feuille de route commune. Le développement des passages frontaliers entre nos deux pays et en faire des pôles de développement à travers la mise en place d'une stratégie commune locale afin de faire face aux risques majeurs liés au changement climatique. Troisièmement, l'aménagement des régions frontalières communes afin d'attirer plus de projets d'investissement. Quatrièmement, réaliser une croissance commune des secteurs dynamiques
tels que la santé, l'agriculture et le tourisme. Le développement de ces zones, une priorité pour l'Algérie et la Tunisie. Plusieurs projets vitaux en vue. Le ministre de l'Intérieur tunisien Kamel El-Khafi souligne l'importance de mettre en place une stratégie commune. Nous espérons que cette rencontre constitue un nouveau cadre afin d'approfondir les concertations entre les Walis des deux pays autour des programmes et projets qui visent à améliorer les services envers les habitants des régions frontalières dans les deux pays et surtout insuffler une dynamique de croissance dans ces régions, ce qui renforcera la paix et la stabilité et cela met en place une stratégie commune. C'est la première réunion de cette commission. L'objectif est stratégique et de renforcer la croissance économique à travers la mise en œuvre des résultats émanant de la déclaration de Carthage ratifiée par les deux pays lors de la dernière visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Tunisie. Placer les besoins des pays africains au centre des préoccupations du partenariat Afrique-Italie, un principe que l'Algérie réaffirmera au sommet de Rome. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, y représente le président de la République. Il est prévu à l'occasion le lancement d'un nouveau plan de coopération baptisé Plan Mattei pour l'Afrique. Un plan qui doit reposer sur un principe gagnant-gagnant, souligne le politologue Ibrahim Akan, contacté par Rabea Slimani. La question que cette relation Italie-Afrique pose est celle de savoir est-ce que ça rentre vraiment dans le partenariat tel que défini par l'Union africaine. L'année dernière, l'Union africaine s'est donné un cadre de partenariat, que ce soit le partenariat de continent à continent ou le partenariat de continent à pays, comme c'est le cas avec l'Italie. Et dans ce partenariat, il y a 10 points essentiels qui sont ressortis, que être une relation d'égal à égal et non une relation de donateur à bénéficiaire. Ce partenariat-là que l'Italie veut développer avec l'Afrique, sur 4 années, 4 milliards de dollars, d'après même les sources italiennes. L'intérêt pour l'Afrique démontre que le continent constitue un potentiel économique incontournable. L'importance de l'Afrique, elle est plus que réelle. Même les pays du G20 ont décidé de prendre l'Afrique comme des membres. Le G7 se réunit jamais sans avoir 2 ou 3 chefs d'État africains. L'Afrique, n'oublions pas, c'est quand même une puissance économique. C'est la 9e économie du monde avec un produit intérieur brut de près de 3 trillions de dollars. C'est 17% de la population mondiale. C'est la région la plus riche au plan des ressources naturelles. C'est aussi un marché intérieur de près de 1,5 milliard de personnes. Parmi les pays africains, l'Algérie est un partenaire incontournable dans le domaine énergétique. Pour l'Europe, à travers l'Italie, elle contribue à renforcer la place de l'Italie en tant que hub énergétique. Boujma Hamada, doyen de la faculté des hydrocarbures à l'université de Boumerdès, au micro de Mayal Kanz. L'Algérie est devenue un partenaire de choix pour l'Italie. Il est le premier exportateur africain du gaz et le 7e au monde. Il dispose de réserves considérables. Avant la guerre en Ukraine, 40% du gaz importé en Italie provenait de la Russie, contre 11% provenant d'Algérie. Dans l'intervalle d'une année, les choses ont bien changé. L'Algérie a augmenté de 20% ses livraisons de gaz vers l'Italie. À peu près 25 milliards de mètres cubes qui ont pris cette année et 30 milliards qui sont prévus pour 2024. Et bien sûr, l'intention de l'Italie est d'être également un pays de transit. Donc, il va construire un hub pour ce gaz algérien qui va transiter vers d'autres pays européens tels que la Slovénie, la Hongrie. La Slovénie vient de signer un contrat pour 3 ans avec Sonatrach. Et concernant le gaz naturel liquéfié, l'Algérie enregistre une avancée ou des avancées notables, Hamid Belkassem. Oui, Nalimane, l'Algérie, premier exportateur africain de gaz naturel liquéfié, ce n'est que justice. Pour rappel, le gaz naturel liquéfié est né en Algérie, précisément au niveau de l'unité La Camel d'Arzeux en 1964, soit bien avant les gazoducs. Le premier méthanier de l'histoire du GNL a acheminé du gaz liquéfié d'Arzeux vers la lointaine Islande le 12 octobre 1964. Et contrairement au gaz naturel transporté sous sa forme gazeuse par de simples gazoducs, le GNL a besoin d'unités de liquéfaction pour transformer le gaz naturel en liquide, ensuite le charger à bord d'un méthanier à moins 162 degrés Celsius. Or, il se trouve que l'Algérie a 2 grands atouts. D'abord, 2 grandes unités de liquéfaction à Arzeux et Sikda, ensuite toute une flotte de méthaniers qui permettent de livrer le GNL partout à travers le monde, et c'est naturellement
que l'on peut voir le Ben Ramdan, déchargé du GNL à Fos-sur-Mer en France, ou le Lella Fatman Sumer, livré 145 000 m3 de GNL à Izmir en Turquie. Une dernière précision, Nariman, 1 m3 de GNL équivaut à 600 m3 de gaz naturel. Avec 13 millions de tonnes de GNL exportées en 2023, l'Algérie, premier exportateur africain de GNL, c'est naturellement de bonnes perspectives pour 2024. On va rester avec le gaz, le projet boosting de Hassirmel. Une nouvelle phase du projet sera lancée au mois de mars prochain. Le ministre de l'Énergie l'a annoncé en inspectant ce site. Ce projet permet donc d'augmenter les capacités en matière de gaz. Plus de détails avec Rimbo Kadoum. Le boosting est une technique utilisée pour faire augmenter la pression du gaz par le biais de turbocompresseurs, une étape très importante dans le processus de production de gaz. Il s'agit d'atteindre une haute capacité de compression qui répond aux normes internationales. Bousmaha Ammar, chef de département exploitation Hassirmel Centre. Son démarrage a été en 2021. Le but de boosting est d'augmenter la pression des gaz et d'envoyer vers le boosting deuxième phase pour augmenter aussi la pression jusqu'à 105 et distribuer le gaz vers les modules de traitement. L'augmentation de la pression pour une meilleure séparation des gaz à une meilleure qualité avec un point de rosée très bas. Il s'agit de maintenir le niveau de production à 180 millions de mètres cubes par jour et de récupérer des réserves supplémentaires estimées à 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel, afin de renforcer les capacités de production et répondre aux besoins du marché national. Le boosting, c'est le noyau de Hassirmel. Il est très important par rapport aux installations centres. On ne peut pas arrêter le boosting parce qu'il produit 110 millions de mètres cubes par jour. La révision du boosting se fait à chaud, se met en service. Il est question de garantir la sécurité énergétique de l'Algérie à travers le renforcement des capacités de production. Le coût d'investissement du projet Boosting 3 est de près de 1,2 milliard de dollars. Des perspectives d'extension de ce projet important sont en vue. L'Organisation mondiale de la santé appelle les donateurs à ne pas suspendre leur financement à l'Office de secours onusien pour les réfugiés palestiniens. Au moins 10 pays ont en effet décidé de stopper leur contribution, une mesure punitive après la décision prise par la Cour internationale de justice à l'encontre de l'occupation israélienne, souligne Michèle Decaster, militante des droits de l'homme. Elle répond à Rabea Slimani. C'est les pays où l'extrême droite est en pointe, donc ça va avec les États-Unis, c'est condamnable. C'est contraire également au sens de la décision de la Cour internationale de justice qui a répondu favorablement à la demande. Malheureusement, ils n'ont pas demandé un cessez-le-feu. Il faut quand même parler du risque de génocide. Cette décision de se retirer de l'aide humanitaire, c'est une réponse de rage par rapport à la décision aussi de la Cour internationale de justice. Ils prêtent la main à cette tentative de génocide. Ces pays-là, ils seront responsables, je dis, devant l'histoire. Et il faut absolument s'y opposer, mais il y a beaucoup de réaction dans le monde, mais c'est pas suffisant pour arrêter ces mains assassines. Il voulait faire table rase sur Gaza, table rase sur sa population en l'expulsant et table rase sur les bâtiments, les institutions, tout ce qui avait qui était debout pour agrandir l'État d'Israël. Mais c'était couru depuis le début. Le peuple palestinien, il est vraiment absolument plus considéré comme un peuple existant qui a le droit à avoir sa terre. L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens qui subit l'acharnement de l'armée d'occupation, une autre école qui relève de l'agence a été bombardée ce matin, entraînant une dizaine de martyrs parmi les réfugiés à Hayr Rimel, à l'ouest de la ville de Gaza. Les bombardements incessants à travers toute l'enclave ont fait d'autres victimes, des journalistes notamment. Ils sont à présent 122 martyrs tués par l'armée d'occupation. L'occupation qui n'épargne pas les Palestiniens en Cisjordanie. Il y a eu un autre martyr ce matin à Jenin, en plus des incursions et des démolitions des habitations qui se poursuivent. Témoignage de la journaliste Faten Atourabi, elle répond à Karima Bounour. Hier soir, un jeune Palestinien est tombé en martyr avec une balle sioniste dans la ville de Yamoun à Jenin. Et les soldats sionistes ont détruit les infrastructures dans les rues de Jenin. Et tôt à l'aube, l'armée de l'occupation a saccagé toutes les entrées à l'est de la ville et a démoli plusieurs maisons. Puis les soldats ont bouclé toute la région est de Jenin jusqu'à l'heure. Ils ont arrêté 7 citoyens palestiniens lors des affrontements armés entre les résistants et l'armée de l'occupation. Même l'hôpital de Jenin n'a pas été
été épargnés par les tirs des soldats, surtout dans le pavillon des accouchements. Les morceaux de verre s'éparpillaient dans les salles de soins. Les incursions dans la ville de Jenin sont répétées quotidiennement et à chaque fois que les équipes de maintenance de l'électricité réparent les dégâts causés par l'entité sioniste pour faciliter la vie des citoyens, les soldats les démolissent de nouveau la nuit. Les prix du pétrole stagnent ce matin. Le marché est dans l'expectative, notamment en regard des risques induits par le conflit au Moyen-Orient. Le Brent affiche 83,50 $. Des cas de brucellose humaine ont été enregistrés à Bouira. Les dispositions qui s'imposent ont été prises par les services sanitaires. Les détails avec Aris Chachoua. À peine informés par les services de la santé, les vétérinaires de la DSA se rendent sur les lieux et prennent les dispositions nécessaires. Dr Jamila Bembelkassem, vétérinaire inspectrice des services agricoles. L'équipe vétérinaire s'est déplacée rapidement sur les lieux. Au niveau de Borchres, c'est une personne qui a consommé du lait de provenance inconnue. On a fait de la sensibilisation par rapport à la consommation du lait cru de provenance inconnue pour ne pas avoir plus de cas de brucellose humaine. Et au niveau de la commune de Darbelou, il s'agit d'une personne qui a consommé le lait provenant des caprins appartenant à son frère, qui ne sont pas dépistés bien sûr. L'équipe vétérinaire s'est déplacée vers l'exploitation où elle a séquestré et elle interdit en parallèle la consommation du lait cru et prélevé aussi, elle a fait les prélèvements sur le cheptel existant au niveau de cette exploitation pour l'acheminer vers le laboratoire régional vétérinaire de Drabrda. A souligner que l'achat du lait cru provenant de cheptels inconnus, tels que vendus sur les trottoirs et autres endroits non appropriés, est strictement déconseillé par les services de la santé et aussi réprimé par les services du commerce. Bouira, Aris Chachoua, Al-Jeshin 3. À la découverte de l'exposition Murmures méditerranéens, elle se déroule au Musée public national maritime. Elle est signée Kamel Nour. Les détails avec Nadia Siassi. Kamel Nour s'inspire des couleurs de la nature à l'état brut. Il peint ses tableaux à partir de ses propres photographies, histoire de mieux cerner l'image. Vous trouverez sur place plus de 25 peintures grand format, représentant la baie d'Alger, l'Amirauté, les ports d'Alger aussi, Kitani aussi, Beblouet. C'est ma façon, à travers l'art, de démontrer à quel point la ville d'Alger et la Méditerranée est chère pour les Algériens. C'est un endroit de villégiature pour les familles algériennes, de loisirs et de rencontres entre les familles, entre les Algériens en général. La mer, cette thématique est très chère aux Algériens, surtout les gens qui vivent à côté de la mer. Murmure méditerranéen, c'est une allégorie, si je peux dire, qui se manifeste dans chaque coup de pinceau qui évoque la majesté de la baie d'Alger, l'élégance intemporelle de l'Amirauté et la vie grouillonnante des ports d'Alger, Cherchès et des Faraj, la Madraque. Chacune de mes œuvres est une invitation à explorer l'essence de ces lieux chargés d'histoire, où la mer et le patrimoine se mêlent harmonieusement. Murmure méditerranéen, un bout de notre littoral de Kamel Nour au Musée public national maritime, visible jusqu'au 25 février. L'actualité sportive à présent avec vous, Ali Hamouch. Il y a eu notamment ce matin cette conférence de presse animée par le DTN de la FAF. En effet, Nalima, le directeur technique national, Amr Mansour, donc, qui a animé ce matin une conférence de presse au niveau du centre technique de Sidi Moussa. Et on va sans plus tarder prendre attache avec notre confrère Rostam Yahya Chérif qui a assisté à cette conférence de presse. Bonjour Rostam. Ali Hamouch, Neyman Nouali, bonjour. Alors, le directeur technique national de la Fédération algérienne de football, Amr Mansour, qui a animé ce matin une conférence de presse pour faire le bilan après 100 jours après son installation à la tête de la direction nationale technique nationale. Amr Mansour est revenu sur plusieurs points, dont les stages de formation pour les entraîneurs des CAF, des
différents grades, hein, des CAF Pro, CAF A, FAF A. Il a également évoqué la question de la sélection nationale. Je vous le dis tout de suite, la réponse était très claire par rapport à cette question. Ce n'est pas de sa tâche de parler de la sélection nationale A ni de sélectionneur national. Ça revient au bureau fédéral et au président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi. Le directeur technique national Ahmed Mansoul a évoqué un point concernant le collège technique national. La première réunion du collège technique national aura lieu le 12 mars 2024 au centre technique national de Sidi Moussa, ainsi que plusieurs points comme notamment les académies de la Fédération algérienne de football qui sont à l'arrêt en raison de la fin de contrat des différents joueurs avec la Fédération algérienne de football, ainsi que les stages de préparation des différentes sélections nationales féminines U17, U23 qui débuteront en stage de préparation pour les différentes échéances des différentes sélections nationales. D'ailleurs, la sélection nationale des U17 connaîtra un nouveau staff technique qui sera 100% algérien dans les prochains jours. Voilà ce qu'on peut dire de la conférence de presse du directeur technique et national de la Fédération algérienne de football, Ahmed Mansoul. Alors, on va continuer, Ali Hamouche, avec le foot, cette fois-ci la CAN, les huitièmes de finale, deux rencontres ce soir. Absolument, deux rencontres sont au programme aujourd'hui. Il y aura à 18h ce surprenant Cap-Vert-Mauritanie et à 21h ce choc entre le tenant du titre, le Sénégal, qui affrontera le pays organisateur de la Côte d'Ivoire. Et on rappellera qu'hier, la Guinée s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant la Guinée équatoriale 1-0. Et la République démocratique du Congo s'est qualifiée aux dépens de l'Égypte après suite au tir au but 8-7, alors que la rencontre s'était terminée sur un score de parité, 1-partout. Merci Ali Hamouche, merci à Lila Wissi qui était à la réalisation, Amine était à la console technique. Tout de suite, la météo avec Karima Bounour.